C'est bon, c'est l'heure, Michel. Allez, coucou, c'est l'heure. Oh, qu'est-ce que tu fous? Tout le monde t'attend. Impeccable. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais, je sais même pas si c'est l'heure, moi, je dis c'est bon. Content, oui, hein. Et puis quel accueil, hein. Voilà, oui, c'est, ah oui, c'est gentil, c'est vrai, hein. Vraiment, ça nous fait plaisir. Mmh. J'espère que vous êtes tous bien installés. Ça va, vous êtes bien? Allez-y, hein, prenez bien les fauteuils, oui, hein. On est chez... Occupez bien les accoudoirs, hein. Voilà. Et ah oui, je tiens à préciser, ici, c'est un accoudoir par personne. Voilà. Et à l'entracte, on change. N'importe ou alors les deux coudes du même côté. Mais attention aux torticolis, hein. Voilà. N'importe quoi. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir, allez-y. Vous aviez oublié quelque chose dans la voiture? Allez-y, c'est pas commencé, hein. Non, non. Ça aurait pu, mais c'est pas. Non, on a juste dit bonsoir. Hein? Limite. Limite, ah ouais. Voilà. Non, non, non. J'ai pas compris. Voilà. Alors, oui, oui, oui. Alors, je... oui. On va pas tarder à le savoir. Il y a une mise en route comme ça. Ça m'a tout brouillé. Alors, oui, j'espère que vous avez fait bon trajet pour venir jusqu'à nous. Bah, ceux qui sont là, oui, hein. Oui. C'est ceux qui sont pas là, on sait pas. On sait pas, ils ont peut-être eu des difficultés. Ça a été? Bah, il fait beau et tout, il pleut pas. C'est dimanche, ça roule. Il y a des gens qui viennent de loin. Oui. D'où? L'Ardèche. L'Ardèche, ah oui. Hey, vous savez quoi? Oui. Parlez tous en même temps. Oui, mais comment ils peuvent s'organiser? Ils savent pas. Bah, ils se disent, à vous, allez-y. Oui. Vous, les deux, mais, allez, qu'est-ce qu'il y a? Ardèche, ah oui, je connais. Comment? Oui, vous venez de c'est le dire. C'est votre voix normale. Ça y est, on a compris. Vous êtes un peu dans les aigus, hein. Vous êtes de là-haut, peut-être, non? En haut. L'Ardèche, le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qu'il y a comme ville dans le Maine-et-Loire? Comment? Angers. Ah oui, on a joué à Angers. Ouais. Vous avez pas su? Ouais, c'est dommage, hein, ça vous aurait évité des frais. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça nous fait plaisir que vous venez. Ouais. Nous puis on pouvait pas tout mettre les... Ça fait un... Hein, comment, pardon? Non, rien. Je t'écoutais pas. C'est pas grave. Excusez-moi. J'ai l'habitude. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Vendée. Vendée, ouais. Et on vend quoi? Ouais. Moi, je veux bien vendre, mais on n'a rien à vendre, nous. Hein? Il dit n'importe quoi. Qu'est-ce que vous dites? La Bretagne, Saint-Malo. Saint-Malo. On a joué ah, aussi oui. à Saint-Malo, dis donc. Ah, oui, vous n'êtes pas informé, alors, hein? Moi, je pense qu'ils n'ont pas dû mettre les bonnes affiches. L'année dernière, on était à Saint-Malo. Je vous jure que c'est... Ah, bonjour, messieurs, dames. Ah. Ah, voilà, juste là. Allez-y. Et c'est bien que vous arriviez. On commence à s'inquiéter. Ah, oui, hein. Oui. Vous aussi. Ah, ouais. Vous venez de loin, peut-être, non? Ah, où ça, oui. Où ça? De Douai. Douai. Ah oui. Ah oui, Douai, oui, on a joué à Douai aussi. Mais oui.
Parce que... Oh, vous nous avez ratés? Vous tournez depuis... Ah. Eh, vous êtes pas doué. C'est facile, mais oui, faut oser. Oui. On vous demande pas de commencer. Ouais. Vous allez parler tout le long comme ça? Non, qu'on sache, on s'habitue. On fait le spectacle à trois. Alors attendez, ça fait combien de kilomètres? 220. 200, ça fait une trotte, hein, comme on dit. Hein. Une heure, quoi, vous pour êtes... venir. Oh non. T'es gêné, ouais. Ah oui, ah, voilà. Mais alors. Et tu vas discuter avec tout le monde comme ça? Tu sais qu'il y a des gens qui ont payé pour le spectacle? Enfin, j'espère. Allez-y, messieurs, dames, c'est par ici. Ouais. Non, non, vous n'êtes pas en retard, non, c'est bon, non, tout ah va non, bien. Non, non, quand même. C'est nous qui sommes à l'heure. Oui, oui. Exact. Allez-y. Ouais, mais eux, ils viennent de loin, hein? Hein? Ils viennent de loin. Ah oui? Ouais, ils viennent d'Égypte. Oh ouais, vous avez pas vu? Ils marchent comme ça. N'importe quoi. Ouais, on est content de savoir qu'il y a des Égyptiens. Hein. Bon, le spectacle oui. n'est pas traduit. Hein. Oui. Alors, oui, on était... Oui, il y a des gens qui viennent d'où encore? Parce que... Hein? Hein? Normandie. Croatie. Roissy ou Croatie? C'est pas pareil. Ouais. Non. Croatie, ah. Zagreb. Ah. Oh, dis donc, mais comment vous savez moi, là-bas que qu'on est là? Hein? On est connu en Croatie. Ouais. Ça vous embouche un coin. Ah oui. Ben merci d'être venu. Ah. Vous étiez en Croatie ce matin, non? Quand même pas. Hier, hein? Hier. Vous êtes venu exprès pour nous? Je vous crois pas. Faites-moi votre billet d'avion. Oui, une partie, si c'est vrai. Que... Ah, ça me touche, hein. Oh non, elle prend pas de rendez-vous, hein. Non, 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 non. Ah bon? Il est venu me voir, moi. C'est ça, j'avais pas compris. Excusez-nous, hein, on a des amis en Croatie, ah, on discute, alors... on se voit pas souvent, hein. Alors ça, ça m'épate, hein. En plus, je vois pas où c'est du tout. Ouais, alors géographie, c'est zéro. Oui, hein. Non, c'est quand même grand tout ça. Enfin, je regarderai ce soir, voilà. Bon, et... Oui, alors... Il y en a qui viennent de Suisse. Il y a des Suisses ce soir? Oui. Oui. Ah oui eh. Ah, c'est bien. Il y vous... en a toujours un, ouais. C'est pour ça qu'on... C'est vrai, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est vrai, il y a tout le y temps y un Suisse. Eh, dites-nous, vous oui. nous avez ramené du chocolat? Ouais, ça nous intéresse. Ouais. Est... Amenez-moi-le, madame. C'est marrant, ça. Hein? Merci, madame. Merci beaucoup. Attention en descendant. Hein. On est dans le monde. Il y en a un pour moi, mais j'en ai là rien. Ah, c'est incroyable. Et hier, Mimo, tiens. C'était des... Je le pose, ça me fait pas sérieux. Avec les paysages, les montagnes, c'est tout le temps comme ça. C'est pas top. Et nous, quand on va en Suisse, on n'amène rien. Il y a des gens qui viennent encore d'ailleurs, de l'étranger, d'autres pays. Moi, j'aurais pu vous ramener des pruneaux. Hein. D'où? Ouais. Eh ben, pourquoi vous l'avez pas fait? Nous, on accepte les pruneaux aussi. Hein. Avec le chocolat, c'est bon. C'est gentil d'y avoir pensé. Bon, ben, on va et vous, voir. Vous venez d'où? Oh, et on y retourne quand? Marie-Galante. Ouais, c'est beau, ça. Hein? C'est les Antilles. Ah, on n'a jamais joué là-bas. Je me suis pas trompée. Non, ben non. Il n'y a pas de théâtre. Non, non. En plein air. Oh, mais nous, on joue en plein air aussi. Hein. Ah bon? On a fait les communions, on a fait les mariages, on a tout fait. Hein. En plein air, ça ne nous fait pas peur. Hein. Oh, bon. Voilà. Non, non. Il y a encore des gens qui viennent de loin. Oui. Ah oui? Saint-Jean-de-Luz. Ah oui, ah. C'est en bas, ça. Ah oui, c'est presque l'Espagne, hein? On n'a plus les palmes. Ah, vous n'avez plus les palmes. Ah, pourquoi oui? C'est commun d'avoir des palmes à Saint-Jean-de-Luz?
Ah, pour la plage. Pareil qu'ils ont des palmes à Saint-Jean-de-Luz. C'est pas pratique. Surtout dans le train. Oui. Ça va devant, vous nous voyez bien. Ah ouais, vous êtes bien. Hey, je peux vous poser une question? Et mieux. Vous êtes pas à peu près, là? Hein? Hey, vous me voyez pas que les trous de nez? Un petit peu, hein? Eh ben, c'est pas le meilleur. Hein. Ah ouais, bah oui, vous voyez pas les chaussures, là? Et non. Eh ben, je vais vous les montrer. Je vous ai... Vous je... pourrez imaginer le reste. Moi aussi, si vous voulez. Non, je... elle, c'est pas intéressant. Oh, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une rampe de lumière exceptionnellement. Ah ouais. C'est pour Alain Delon. C'est pour le spectacle d'Alain Delon. Ah, le spectacle d'Alain Delon, pas pour lui tout seul. Hein. Et on nous a dit, quand vous êtes là, c'est compliqué de l'enlever, de la remettre après, etc. Ouais. Bon. Enfin, ils ont pas essayé non plus. C'est vrai. Ils ont dit, oh, ça doit être compliqué, hein. De ça doit être, c'est compliqué, c'était foutu. Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne nous voyez pas les pieds, hein, mais bon. Hein. Mais on s'en sert, nous, du coup, oui. On l'allume. Hein. Ah bah oui. On l'allume tout le temps, d'ailleurs. Hein, ouais. Même quand on s'en va, là, laisse allumer à fond. Ah ouais. Non. Et c'est lui qui paye l'électricité. Et il le sait pas, mais nous, à fond. Bah, faut bien que ça serve, hein. Non, puis il est généreux, oui, attention. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, il est voilà. Gentil, hein. Oui, 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 très. Voilà. Alors, et là-haut, ah oui, je voulais vous demander. On vous a expliqué que c'était des places à visibilité réduite. Ouais. On vous l'a dit, hein. Ben, je dis, vous dites aux gens, vous marquez sur le billet. Hein, parce qu'en fait, vous voyez pas grand-chose. Vous voyez bien ce qui se passe en face, mais ça n'a pas grand intérêt. Alors, on joue le maximum ici pour ouais, vous. Tout devant, hein. Ouais. On vous oublie sauf pas. Sauf de temps en temps, on est obligé de reculer un petit peu. Hein. Ça arrive. Ouais. Mais à ce moment-là, vous vous faites expliquer par les gens d'en face. On vous oublie pas. Hein. C'est pas nous quand on fait le théâtre. Hein. Ah. Voilà. Non. Alors, et là-haut, ça va? Ah ouais bon. Vous entendez bien? Bon. Vous voyez bien? Ça ouais, dépend c'est... qui. Hein. Ouais. Ouais, attendez, ça. On va faire un test. Est-ce que vous voyez les boutons sur le nez de ma cousine? Oh, dis donc. Vous les voyez? Oh, j'en ai pas. Qu'est-ce que dit non, il y en a pas. Hein. Ah, ils sont sur le menton. Arrête, c'est et puis des gros. Ah, hein. Oh, j'en ai pas. Ou alors? Bah, on demande pas aux gens de devant. Hein. S'ils se mettent devant, c'est qu'ils voient mal. Voilà. Alors. Charlie, c'est comme les vieilles motos. Ah ouais? Un petit coup de kick et ça repart. Toi-même, hein? J'ai du mal à démarrer, quand même. J'ai perdu le fil aussi, maintenant. Il devait pas être bien gros, non plus. Bon. Donc, nous allons commencer le spectacle. Ah oui, avant, je voudrais vous dire, il faut pas nous prendre en photo pendant le spectacle. Ah oui, c'est dangereux. Bah oui, on est ébloui par les flashs. Ah oui. On voit plus la rampe d'Alain Delon. Oui. On risque de tomber sur les spectateurs. Ah, voilà, on peut même blesser des enfants. Ah oui, voilà. Alors, vous pourrez nous prendre en photo à la fin, au salut. Ah oui, là on est de dos. Mais là on n'est pas de dos. Non, là ça nous dérange plus. Alors, s'il vous plaît, ne nous prenez pas non plus en photo avec vos petits appareils de téléphone parce que nous d'ici on voit la petite lumière et ça nous énerve. Ah ouais, après on est obligé, on les confisque. Voilà. Et comme on a déjà fait tous les cadeaux de Noël. Voilà, non. Alors. Je me remets en place. Uh-huh. Donc, oui. Ça va venir. On va pas tarder à le savoir. Vous pourrez nous prendre en photo à la fin, je vous l'ai déjà dit. Oui, oui. Je sais plus ce que je raconte. Et ça, c'est tout le long du spectacle. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est bien de prévenir au début. Voilà. Ça, les gens savent à quoi s'attendre. Voilà. Parce que sinon, ils disent, mais on comprend rien, mais comment ça se fait, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, là, ils savent qu'elle raconte n'importe quoi. On aurait mieux fait de rien dire. Hein. Non, mais c'est rare aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'artistes de musical, c'est pour ça. Oui, on est les derniers. Oui. Il n'y en a plus. Oui, d'ailleurs, ils vont mettre ma cousine au musée. Hein. Non, ah, bah oui. Un beau spécimen comme ça. Arrête. Une bonne piqûre. Pouf. Surtout qu'elle fait très très bien la statue. Hein. Non. Vas-y, Shirley, fais la statue. Non. Attends, ça m'énerve. C'est pas bien ça. Arrête.
Bah t'as qu'à te gratter aussi, hein. Il y a quelque chose qui me gêne depuis tout à l'heure. Hein? C'est peut-être le fil que t'as perdu. Voilà. Voilà, donne-le dans la commencer le spectacle. Tu vas te gratter? Je le sors pour faire une entrée parce que je trouve que ça fait plus joli. Hey Shirley, hein? Et moi, qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas, moi. Oh, ben, je vais me gratter là-bas, hein, et peut-être je reviens. La sale bête. Attends, je... Oh, ça, c'est des bouts en trop, hein. On peut faire une flûte? Non, allez. Bah, je visse. Voilà. Oula. Voilà, voilà. Ça sert à quelque chose? Non, mais ils le mettent quand même. Attention. Au. Voilà. Bah, tu vois, c'était pas si compliqué, hein? Bah, tu le disais pas plus tôt? Voilà. Attention. Voilà. L'autre le fait. Voilà. Sur quelle chanson tu veux que je t'accompagne? Comme s'il en connaissait plusieurs. Le sud, c'est marqué. Ah, ça tombe bien, je la connais. C'est pour que tu commences. Mais j'allais y aller, là. Bah, pourquoi t'as pas commencé? Mais tu m'as fait peur. Je savais que c'était à moi.
Mais pourquoi tu commences pas? Ah, c'est maintenant? Bah oui. Ah oui, d'accord, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, je te ferai un signe. Ah oui. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Va plus vite. Peux pas. Non mais là c'est trop long, on ennuie tout le monde. Ah bon? Et à quelle vitesse tu voudrais que je le joue? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Un peu moins vite. À l'Italie. Ah, non. Encore un peu moins vite. Il y a du lin. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ben c'est comme tout à l'heure. Donc j'avais raison. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, on trois, quatre. Sud. Un, deux, trois. Arrête de compter. Quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est à toi. Ah bon? Et toujours en été. Obligé de l'expliquer. Ouais. Mais non. Attends, voilà. En fait, c'est voilà, c'est ça. Quand j'étais petite, j'adorais la danse. À quel âge? Je sais pas. Ça, alors, quand j'étais petite. À 5-6 ans. Oui, voilà, à peu près. Voilà, c'est ça, oui. J'adorais la danse classique. J'aurais... Peut-être 7. Oui, voilà, peut-être 7, c'est ça, oui. Alors, oui, j'aurais rêvé... Voir 10. Oui, voilà, j'avais 10 ans. Je m'en souviens très bien maintenant. T'es nerveux, hein? Voilà, alors quand j'avais 10 ans, j'adorais la danse. T'étais en quelle classe? En CM2. C'est pas possible. Si. Bah, t'as jamais été jusqu'au CM2. Si. J'étais une très bonne élève, j'étais toujours la première. À la cantine. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, quand... Oui, j'avais une passion, la danse classique. J'aurais rêvé d'être à l'opéra, vous voyez, petit rat de l'opéra. Ouais. Mais... Ils l'ont pas prise. Non. Ouais, non. Parce qu'en Par contre, ils l'ont prise dans les grosses souris. Non. Arrête, ça n'existe pas. Hein? Mais... Bah, ils ont créé la catégorie pour toi. Arrête, dis-le. N'importe quoi. Tu ferais mieux de te taire, hein? Moi qui te le dis. Alors, il est jaloux parce que c'est pas lui qui a une idée. Voilà, parce que des idées comme ça, il en a pas. Heureusement, ça ferait trop. Une par spectacle, ça suffit. Bon, hein. Arrête, pas. Alors, oui, j'avais cette passion. Ah oui, nous, on pouvait pas faire de danse. Enfin, moi, surtout. Parce que on faisait... Si vous comprenez pas, vous me demandez, après, j'explique, hein. Parce que là, c'est quand même brouillon. Je me suis emmêlée, oui. Ah oui, oh, attends, ouais. Je reviens, je retourne. Ah bon, alors moi aussi? Oui, non, pas là. C'est-à-dire que... Non, on va se perdre. Les gens n'ont plus rien à comprendre, là. Hein. Mais ça, c'est depuis le début, hein. Oh.
j'ai pas pu faire de danse. Tout de suite fait ce genre de spectacle. Mais j'ai gardé une passion pour la danse. Et donc j'ai eu l'idée de créer un numéro qui rend hommage à la danse classique au travers du music-hall. C'est très rare. Oui, j'ai jamais vu un numéro comme ça. Bah non, et puis vous êtes pas prêt d'en voir d'autres. Hein? Mais non. Non, parce qu'en fait, il faut avoir le... Comment on dit? Le peps. Le pchit. Non. Le paf. Le blouk. Arrête. Bah tu me demandes, tant que tu m'arrêtes pas. Il faut avoir l'idée, quoi. Ah, c'est ça que tu cherchais? Non, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ben, j'en dis assez. Ah oui, ils vont rester jusqu'au bout. Hein. Non, mais il valait mieux que vous soyez au courant avant, parce que sinon, on ne comprend pas bien. Mais même après, on ne comprend pas bien. À tout de suite. Allez. Et partez pas, ça vaut le coup d'œil. Je me disais aussi. Tu peux sortir, je te couvre. J'ai pas fini. J'ai pas eu le temps de finir. Oh là là. C'est moi, hein. Vide, vide, vide.
C'est trois gouttes, c'est rien. Abracadabra, chou. Bah, c'est pas moi, c'est eux. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, mon cousin va chanter une chanson. Je l'ai dit la première. Ah oui, c'est à eux, mais... Bah, pas de problème, hein. Je vais mettre mon costume et je reviens. Non, non. Vas-y. Mesdames et messieurs, puisque vous me le demandez si gentiment, avec autant de chaleur et d'empressement, je vais interpréter une très belle chanson. Mesdames et messieurs, je vais chanter un air d'opéra formidable, merveilleux, au Sole Mio. C'est de l'opéra napolitain. En tout cas, c'est pas de l'opéra, moi je le chante comme si c'était de l'opéra. Les magiciens de la lumière, est-ce que je pourrais avoir une ambiance opéra? Minestrone, la note. Laquelle? Pas celle du restaurant, en tout cas. Non, la première, pour commencer, c'est le mieux, hein. T'as pas un petit truc, là, t'es donné une note? Je l'ai toujours sur moi. Voilà. Mesdames et messieurs, l'orchestre. C'est d'un quel côté? Oui, c'est là, oui. Mais il faut souffler, hein. Oui. Parce que si t'aspires, il glisse direct. Hein. Il avale, hein. Et puis alors là, on t'entend arriver à 50 mètres. Hein. Non, Charlie, il faut le mettre dans la bouche pour que ça souffle. À 10 cm, ça marche pas, hein. C'est qu'un petit orchestre, de rien du tout, hein. Bon, t'es prêt? Bah, je peux me rapprocher, si tu veux. Arrête, c'est bon. Allez, c'est parti. La camionnette du pain. Elle le fait bien, hein? Mais bonjour, madame la boulangère. Oh, ben, ça se fait que vous arrivez. C'est que ça fait depuis ce matin qu'on vous attend, on n'a rien à manger, hein? Et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez du pain frais, hein? Parce qu'on en a ras-le-bol de se casser les dents sur votre pain rassis, hein? Hein? C'est pas parce qu'on est en fin de tournée qu'il faut nous donner les restes, hein? Faudrait voir à pas nous rouler dans la farine. Allez, vas-y, chante. Tu peux me la redonner? Parce qu'elle est passée trop vite, la camionnette. Et Shirley, tu peux faire la camionnette du boucher? Non, comme ça, j'aurai quelque chose à mettre dans le pain. Allez, vas-y. Que bella cosa, una giornata sole. Che caldo che fa. L'aria serena sembra una festa. Tic-a-boom, tic-a-boom, tic-a-tic-a, tic-a-boom, tic-a-boom, tic-a-boom. Che bella cosa affacciata alla finestra. Oh, Marcello, come stai? Vieni a prendere un caffè. Non c'hai tempo, perché? Vai a mangiare della mamma? Ah! E come sta la mamma? Sei ingrassata? Ah, sì. Mangia troppa pasta! Che bella cosa, una giornata su. E nato su! Respire fort.
s'affrontent à tes... Mais je sais qu'il faut que je respire. Mais il faut quand même que j'expire de temps en temps. Sinon, je vais faire comme le crapaud, je vais éclater. Bon, je recommence tout du début. Oh, sole mio, s'affronte à te. J'adore l'opéra. Merci pour lui. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche. Encore une. De l'autre côté du dos. Oh, c'est malin. Une balle, s'il te plaît, une. Merci. Applique-toi. C'est trop près de moi. Une balle. À moi, des balles. À moi. Attention. Mais non, mais pas. J'ai rien attrapé. Oui, encore. Ah non, j'ai deux jaunes. Ah, une vie. C'est pire, j'ai trois blanches. Arrête. Une vie. Attends. Mais non, pas si fort. Ça m'énerve. Moi, j'ai bien débrouillé, hein. Merci beaucoup. Shirley. C'est où l'entrée? Je vois rien. C'est là. Bah, il fait tout noir derrière. Où non. C'est où? Je vois pas. Où ça? C'est là. Vas-y, encore un peu. Là. Oui, vas-y, encore, oui. Encore un peu, oui. Oui, c'est bien. Ces messieurs dames sont trop bons. Eh ouais. J'ai oublié le micro. Quoi? Le micro, tu vas me le donner, il est là. Celui-là, là? Oui, c'est bien. Ah oui, j'y vais, moi. J'ai oublié. Pardon. Merci. Oh, il revient, hop. Oh, non. Vas-y, on attrape, il est là, hop, on y va, on y croit, on attrape le pompon. Vas-y, on y va, non, vas-y. Yep, hop. Eh, il faut être un peu plus nerveuse, hein. Attention, vas-y, hop, ici, hop, là, il revient, hop, il est là-haut. Mais ça m'énerve. D'accord, devine dans quelle main il est et je te le donne. Attention, je mélange.
Mais il y a des gens quand même. Et ne soufflez pas hein, derrière. Vas-y. Bon, là. Perdu. Pas de chance, hein. Vas-y, plus facile. Attention. Bah là. Bah t'as gagné, hein. T'aurais pu te tromper. Ah non. Elle a cassé le micro. Non, il l'a fait. Si, si, il est foutu, il marche. Allez. Plus, hein. Allô, allô. Allô, le monsieur de la location. Non, ça c'est foutu, ça marchera plus jamais, ça c'est foutu, ça c'est... Et confiant, je suis le serpent. Voilà, elle a attrapé le serpent. Moi. Hop. Arrête. Hop. Arrête, dis-donc. Hé, je fais des marionnettes, hein. Shirley, lève le bras. Hop. Hop. Oh là là, mais on dirait que j'ai fait une touche. Ben oui. Et puis ça a l'air d'être du gros, ça tire, hein. Voyons voir. Une baleine. Hein. Rends-nous Pinocchio. Hein. Eh, fais gaffe, il y a de l'électricité, hein. Mais non, pas là. Ah. Oh. Il m'a fait peur. Voilà. Un, deux, trois. Oui, oui, ça fonctionne. Un, deux, trois, quatre. Oui, je t'ai dit. Cinq, six, sept, 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 sept. Eh, vas-y, dis huit. Non. Mais vas-y, dis huit. Mais t'es toc, toc. Bon, dis-le, arrête de faire ton intéressant, hein. Oui, 9, 10, ouais. De toute façon, après, il sait plus. En fait, j'en ai pas besoin. Ah bon? Je me suis trompée, c'est pas là. Ah, on a fait tout ça pour rien. Oui, pardon. Sur elle.
après la guerre, pour sourire et vous grave. Elle n'osait croire à tant de bonheur. Elle disait, ça m'arrivera pas. Ça lui a porté malheur. Un mois après, il est mort. Plus de papa, plus d'amant, seul dans la vie. Il m'a énervé. Et pour un cadeau, il n'était pas neuf. Hein. J'ai même pas pu finir la chanson. Bah, c'est pas grave. Ces chansons-là, ça se termine toujours mal, alors. Ah. On ferme. Bah, et ça, qu'est-ce que je fais? Bah, t'as qu'à en faire un deuxième. Aïe, aïe, aïe. Oh ben non. Non, mais ça vaut pas, hein. Merci. Bonsoir. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous présenter un numéro que je suis le seul au monde à oser faire. Eh oui, eh, personne n'en veut. En effet, mesdames et messieurs, attention, regardez bien. Une assiette, un lanceur, un public. Attention, mesdames et messieurs. Oui, monsieur. Oui, vous, là-bas. Oui. Si vous l'attrapez, tant mieux. Et puis, si vous venez 12 jours de suite, vous faites un service 12 pièces, hein. C'est pas n'importe quoi. C'est de la porcelaine de Limoges. C'est du costaud, hein. Allez, attention. Non, madame, vous êtes trop petite. Non. Vous savez ce qui serait bien? C'est que vous fassiez le roulement de tambour. Vous savez faire le roulement de tambour avec la bouche? Ouais. Allez-y. Ouais. Vous avez droit à une deuxième chance. Allez-y, roulement de tambour! Ça fait longtemps que vous faites du musical. C'était bien, hein? Alors attention, je compte sur vous. Hein? Pardon. Roulement de tambour! Vous savez ce qui serait bien? Le coup de cymbale final. Allez-y, faites la cymbale. Bien métallique. Bien sonore. C'est bon, tout le monde a craché? On peut y aller. Attention, je compte sur vous. Un. Bah, allez-y, roulement de tambour. Un. Deux. Trois. Merci. Thank you.
sorcier. Ça fait mal quand tu tapes là. Attends. Avant le numéro suivant, j'ai préparé un tour de prestidigitation. On a besoin de moi? Ah non, vous pouvez disparaître. Très bien. Pchouf! Et voilà. Tu veux que je fasse pchouf? Ah bah oui, on voudrait pas rater ça. Faut imaginer de la fumée un petit peu partout. Pchouf! Faut dire qu'elle pchouf bien. Donc, mesdames et messieurs, pour vous ce soir, exceptionnellement, un tour, un numéro de prestidigitation. Ah oui, c'est comme de la magie, sauf que c'est beaucoup plus difficile à dire. Donc, je prends une ficelle tout à fait classique, n'est-ce pas, monsieur, vérifiez. Merci, ça suffit. Donc, cette ficelle, il me suffit maintenant de la plier en deux pour en faire une simple boucle que je prends dans ma main gauche. Main droite, main gauche, boucle, ficelle, tout le monde voit bien. Une petite paire de ciseaux.
Bon, ceci dit, c'est pas grave, parce que heureusement, j'avais déjà une ficelle coupée en deux, voyez, hein. C'est comme si j'avais fait petite boucle, comme ça, hein, main droite, main gauche, boucle, ficelle, petite paire de ciseaux, tchac, hop. Une ficelle coupée en deux, bien nette, hein, bien distincte, de même longueur pour l'esthétique, c'est important. Monsieur, vérifiez. On vous attend. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Merci, ça suffit. Donc maintenant, bien entendu, il me suffit de joindre ces deux morceaux de ficelle par un simple nœud pour n'en faire plus qu'une seule. Et voilà. Ah mais non, ça va trop vite, j'ai pas fait le nœud encore. Je me disais aussi. Bon, ceci dit, c'est pas grave, parce que heureusement, j'ai déjà deux ficelles attachées par un nœud, vous voyez, hein. On voit bien le nœud, les deux ficelles, tout le monde voit bien, bien solidement attachées, n'est-ce pas, hein. Oui, monsieur, vérifiez. Un peu plus vite que tout à l'heure. Vous faites perdre du temps à tout le monde. Allez-y. Non, un peu mieux, monsieur, allez-y. Oui, bon, on peut l'applaudir, il s'est bien battu quand même, hein. Bravo. Oh, c'est bien. Donc, revenons à mes deux ficelles, le nœud, les deux ficelles, tout le monde voit bien, hein. Attention, ne me quittez pas des yeux, ça va aller très très vite. En effet, il me suffit de saisir ce simple nœud dans ma main droite, de serrer très fort, un peu de souffle magique, et le nœud a disparu. Je serre très fort, je souffle, et le nœud... Et le nœud... Et le nœud... Et le nœud... Mais comment ils font? Bon, ceci dit, c'est pas grave, parce que j'ai déjà une ficelle reconstituée, vous voyez? Et le tour est joué. Monsieur? Non, non, c'est bon, ça va, ça suffit. Bon, comme j'ai un peu raté, je vais vous faire le nœud de cravate, dit le nœud coulant. Attention, hop. Ouais, pas mal, hein? Et je sors en sautant la ficelle. Elle est trop petite! Eh bien, ce petit tour de pour vous présenter un numéro de magie! Ah oui, oui! Bah, oui! Je vous demande d'applaudir mon cousin Dingo. Non, non, non. Il s'appelle pas Dingo. Il s'appelle Dino, mais il est un petit peu Dingo. Mon cousin Dino. Merci beaucoup, c'est très agréable. Puis vaut mieux avant qu'après. Eh, on sait pas. Eh bien, ce soir, mesdames et messieurs, je suis pas peu fier de vous présenter un numéro que je suis le seul au monde à exécuter. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez assister à un numéro de passe-passe. Charlie, passe-moi le matériel. Mets-le au milieu, là-bas, j'ai les bras trop courts. Pardon. C'est élégant. Donc, mesdames et messieurs, avec ce modeste matériel, vous allez assister à quelque chose dont vous me direz des nouvelles. Shirley, passe-moi le foulard. Il est en apron. Oui, c'est plus joli, mais c'est moins efficace. Mais ce n'est pas grave, mesdames et messieurs, car j'ai plus d'un tour dans mon sac. En effet, pour récupérer ce foulard, je vais faire un numéro de lévitation. Eh oui, je vais léviter le pot de fleurs et Shirley va léviter le foulard.
Attention, mesdames et messieurs, mais ne quittez pas des yeux, ça va aller très très vite. Fluide, concentration. Concentration, fluide, concentration. Où est le fluide? Où est la concentration? On ne sait pas. Il y en a trop. Eh ben, lévite le foulard. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de truc, pas de ficelle, pas de système électrique ou électronique. Ce n'est que de la concentration et du fluide. Je recapte le pot de fleurs par-dessus pour un atterrissage en douceur, car c'est toujours plus délicat. Et voilà. Ouais, mais tant que je gagne, je joue. Hop, un peu par ici, un peu par là, encore par là, petit looping arrière, hop, et un atterrissage en palier pour changer. Et voilà. Merci. Donc, mesdames et messieurs, avec ce modeste matériel et ce simple foulard non truqué que je vous présente, recto, verso, tranché, attention, ne me quittez pas des yeux, ça va aller très très vite. Rien dans les mains, rien dans les manches. Rien dans la tête. C'est pas la peine de chercher, on a déjà fouillé. Attention, mesdames et messieurs. Feu chaud, hein? Ah oui! Il est toujours là. Attention, mesdames et messieurs, si je réussis, je recommence pas. Hein. Je vois pas pourquoi. Hein. Attention, ne me quittez pas des yeux, ça va aller très très vite. Ah oui, je sais plus si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Je vais faire un truc intermédiaire. Ah oui, il est toujours là. Mesdames et messieurs, surtout ne clignez pas des yeux au moment important. Car il va disparaître en un clin d'œil, et si vous fermez les yeux à ce moment-là, vous ne verrez rien. Et déjà qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Ah oui, d'ailleurs, nous allons tous cligner des yeux une fois, comme ça, on sera tranquille pour le numéro. À trois, un, ouvrez. Deux, ouvrez très grand. Trois, clignons. C'est bien. Il y en a qui l'ont fait. Oui, c'est vrai. On va faire tout ce qu'il y a. On s'en sort pas. Allez, dépêche-toi. Et qu'est-ce que tu crois que j'essaye de faire? Attention. Ça va aller très, très vite. Oh, il est encore là. Oh, mais il est coriace ce soir, hein? Mais j'aime bien quand ça me résiste un petit peu. Si c'est trop facile, c'est pas la peine. Attention. Là, il résiste trop, là, hein. Eh, tu peux fermer la bouche, il va pas passer par là. Hein. Eh, Jean-Lé, occupe le public pendant que je bricole. Quoi? Bah, occupe le plateau pendant que je bricole. On attend un avion? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'occupe. Mais non, je veux dire, fais quelque chose d'extraordinaire. Capte l'attention du public. Coucou. C'est moi qu'il faut regarder. Je vais le faire là aussi. Ça y est, les dessous de bras sont secs. Bon, c'est bon, tu peux regagner ta place. Tout est prêt. Hop, hop, hop. Et le petit saut. Ça aurait manqué, hein. Attention, mesdames et messieurs.
Ne me quittez pas des yeux, ça va aller très très vite. Fluide, concentre. Bon, ça, c'est fait. Il a déjà disparu de la table, hein. Attention, ne me quittez pas des yeux, ça va aller très très vite. Un, deux, trois, hop. Et voilà. Ouais, mais moi, je suis pas étonné, hein. Comme à la répétition, j'en ai cassé 8. Il m'en restait qu'un, je l'ai gardé pour le spectacle, mais entre nous, ça marche pas mieux en spectacle. Ça, c'est un tour à 2 balles. Hein. C'est un tour avec un manque de peau. Bon, ben, puisque vous avez l'air d'apprécier ma magie, maintenant, je vais faire disparaître la table. À 3, attention. Attention devant, hein. Vous vous penchez quand je la lance. Hein. Non, parce que des fois, elle disparaît et des fois pas. Déjà que vous avez failli prendre ma cousine. Ferme le rideau. 1, 2, 3, hop. Eh bien, mesdames et messieurs, ce numéro monte en puissance parce que maintenant, je vais faire disparaître ma cousine. Qui c'est qui a dit tant mieux? Eh, on peut pas, c'est beaucoup trop gros. Non, je veux me faire disparaître moi-même. Mais là, j'ai besoin de votre concours. Mesdames et messieurs, à 3, vous fermez les yeux pendant 3 secondes. 1, ne trichez pas. 2, hein. 3, fermez. Oh. Vous pouvez les rouvrir. Je vous trouve gentil, hein. Et maintenant? Eh ben, c'est ma cousine qui va chanter une chanson. Oh. Un partout. Ça ne dérange pas. Bon, d'accord, très bien. Alors, il y a une chanson que je peux chanter comme ça, sans accompagnement musical. Ah bah oui, il n'y a plus un musicien qui veut l'accompagner. Hein. Mais non. Non, non. Et avant, on avait un orchestre, il y avait 40 cuivres. Hein. Ah ouais. Que des casseroles. Mais non. Non, mais parce que si j'ai pas de musique, souvent je me perds, vous voyez. Et quand elle a la musique, c'est le musicien qui se perd. Mais non, voilà, avec cette chanson, j'arrive, voilà. Alors, c'est une chanson de Charles Trenet qui s'appelle La Porte du Garage. Vous la connaissez? Moi aussi. Voilà. Bon, ben, j'y vais. Tu veux une note? Oui. 2/20. Bah non, ah, mais ça les vaut, hein, ça les vaut. Oh. Bon, je vais me débrouiller, merci beaucoup, voilà. Bon, je me lance. Attention devant, parce qu'elle s'écrase souvent sur le premier rang. Hein. Bah oui, parce qu'elle court un peu comme ça, elle essaye de décoller, mais l'arrière est trop lourd et elle s'écrase. Non, mais je préfère les prévenir. Hein. Vous avez vu, quand elle essaye de... T'as pas bougé d'un poil. Hein? Faut battre plus fort si tu veux t'envoler. Hein? Non, avec une seule aile, tu tournes en rond. Hein? Allez, un petit coup de kick. C'est le premier avion moto. Non. Bon, j'y vais. Tu nous appelles quand t'es arrivé? T'es fatiguant, hein? Voilà. Allez, c'est parti. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvre l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'est enfui à la ville, dans une superbe panade de l'Ovasson qui conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être son rire reviendrait tout comme avant, au lieu de partir dans le vent. J'entends.
C'est fini? Non. Le lendemain, tout est randonné. Nous conduirons peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur le banc. Quel programme il avait prévu là? Deuxième couplet. Les fous volants, je las de revenant pas si tôt. Escamoté par ce nuage de poussière. Courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux. Sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut dans six bandes à plus de 40 ans. Et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle Nanta qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes se suivent. Il répétait de vos vieux. C'est fini? Je suis désolé, je n'ai qu'une cousine. Un de nous deux est imitateur. C'est pas moi. Je vous laisse deviner qui il va imiter. Allez, viens. Non, 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 tu le fais debout, là, t'exagères. Bonsoir. Afin de rendre hommage à un grand chanteur, je vais vous interpréter une de ses plus belles chansons. Elle est à toi, cette chanson. Non, non, c'est pas le titre, ça. Non. Elle est pour toi, l'Auvergnat, la chanson. Non, c'est pas ça. Elle est à toi, l'Auvergnat, la chanson. Non, c'est pas ça. Bon, tu veux une chanson, l'Auvergnat? Tu l'auras. En tout cas, l'Auvergnat, il est dans la chanson. Je commence quand je veux. Hey. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'as donné du pain quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusait à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil festin, feu de joie. Festin. Festin. Tintintin. Arrête, tu fais pas l'endouille. Il y en a encore deux.
Elle est à toi, cette chanson, toi. Elle a qui, la chanson? À Georges Brassens. Non, mais ça, je sais, mais je veux dire, il la donne à qui? Hein? Ben oui, au début, il la donne à l'Auvergnat, après, il change d'avis, il la donne à quelqu'un. À l'hôtesse, il la donne à qui? Ah oui, à l'hôtesse, oui, 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 ben oui, ça change tout le temps. Oh. Elle est à toi, cette chanson, toi, l'hôtesse qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de pain. De feu. De bois. Quand dans ma vie il faisait faim. Froid. Bah oui. Bah ouais. J'ai froid, je mets du bois. Je vais pas me faire du pain grillé. Ouais. Toi qui m'as donné du pain quand. Du foie. Du foie. Du foie. Ah oui. Hey, une bonne petite tranche de foie grillé là. Mmh. Avec des petites patates. Hey, on va te régaler. Hein. Je me suis trompé. Ah ouais. Et si c'est pour dire n'importe quoi. Je me débrouille très bien tout seul. Hein. Ouais, toi qui m'as donné du foie quand, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés, m'avaient éteint ma cheminée. Ce n'était rien qu'un peu de foie avec des petites patates, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore. À la manière. À la manière. Ah, tu fais, chante bien. À la manière. Oh non. À la manière. Là. Faut pas l'encourager, hein. C'est un hommage. Ah oui, c'est un hommage, hein. Maladroit, certes, mais sincère. Allez, vas-y, finis. Tu peux me recoller la moustache? Bon. Vas-y, un peu bien. Ah non, mais tu me fais mal. Non, pas comme ça. That is a rock and rock and roll music. J'espère qu'ils m'ont pas reconnu. Ah, allez. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'eau, toi là, toi les. Toi l'eau, toi les. Toi l'épervier. L'épervier. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'épervier qui sans façon. D'un mère la meune, d'un mère la lume. D'un mère la lume. D'un mère la lume. D'un mère à neuneu. La mère à neuneu. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, la mère à neuneu? Ah non, hein, il y a assez de monde dans la chanson comme ça, hein. Un épervier, la mère à neuneu. On n'aura jamais assez de foie pour tout le monde. Allez, d'un air malheureux. D'un air malheureux, m'a pris... Ma souris. M'a pris ma souris. Même les gendarmes m'ont pris. Hein? Les gendarmes m'ont pris ma souris. Mais non, arrête, dis-nous. Lorsque les gendarmes m'ont pris... Ma souris. Ce n'était rien qu'un peu de chacun met ce qu'il veut, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore. À la manière. 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 Toca, toca la guitare, Emmanuel. Arrête, on va pas, on est dans un beau théâtre, on va se faire virer, là. Arrête. Toca, toca la guitare, Emmanuel. Il va nous entendre, il va nous foutre à la porte, tu te rends pas compte, Nino.
Toca, toca la guitare, Manuel. Dis-moi, là, je vais m'énerver. Hein. Ah, hé, que voilà. Me gusta cantar el flamenco. Allez, arrête-toi. Ah, el flamenco es una vibración. Voilà, voilà, allez, una vibración que me da el corazón. Voilà. Non, si, si. Oh. Ça vous plaît à vous, el flamenco? Mais arrête! Tu craches sur les gens, là. Ah, y me excuse. Arrête, hein. Ma el flamenco, voilà. Ça se pusillon. Oh, hé, hey, envoyez les taureaux, il les attend. Mais t'es complètement fou, là, hein? Vous l'énervez, vous aussi. Pas rigoler avec ça. Voilà. Mais ça colle plus du tout, là, voilà. Vas-y, vas-y, tu t'énerves, vas-y. Tu transpires, et voilà, regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends, va. Oh. Après ça, c'est moi qui poustillonne. Ça colle. Eh, tu devrais déposer le brevet, hein. Bon, le plus long, c'est pour remplir le tube. Ouais. Allez, fini, voilà, voilà, allez. Toi, l'épervier, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qui te conduise à travers le ciel. Oh non, oh, tu finis bien. Au Père éternel. Ah ben... Arrête, hein. Arrête, dis-nous, tu fais plus l'andouille, maintenant. On voit que tu l'as pas connu. Au Père éternel. Travers ciel, au Père éternel. C'est fini. Tombe bien, je connais tout Moustaki. Non, ah, non, Moustaki, c'est pas là, c'est là. Voilà. Allez. Parce que moi, je peux faire les trois Georges. Hein. Voilà. Georges Brassens, oui. Georges Moustaki et... Allez. Georges Pompidou.
mais croyez bien que nous comprenons votre déception. Voilà. Alors, je voudrais maintenant remercier toute l'équipe de ce théâtre qui travaille autour de nous. Ah ouais. Ils sont formidables. Ah oui, c'est des sacrés bosseurs, ah, comme oui, on dit vraiment, dans le métier. Hein. Figurez-vous qu'il y en a un qui fait rien, il y en a quatre qui lui donnent un coup de main. Non, c'est pas vrai. Ça va pas dire ça. Non, non, c'est pas vrai. C'est... Ils se serrent les coudes ah, dans le oui, travail. Ah, oh, oui, là, là. Vraiment. Ils pousse-toi que je mette le mien. Non, ça se dit... Oh, de... N'importe quoi. Non, non. Alors, je vais dire les prénoms de tout le monde, arrête. Mais vous n'applaudissez qu'à la fin. Ça fait long, sinon. Ben, ouais. Alors, je commence par celui qui est là-haut. Ah oui, elle s'adresse au Seigneur en direct. Mais là, celui qui est dans les cintres, là-haut. Ah, il fait le perroquet, là. Mais oh, non. Avec les rideaux, c'est Dominique. Ah. Avec nous, au plateau, c'est Mimo. Ah ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut lui parler à Mimo. Il comprend tout. Ouais. Voilà. Et Mimo, il est aussi le brigadier. Vous savez ce que c'est? Dans un théâtre, le brigadier, c'est le bâton pour taper les trois coups. Eh oui. Et comme nous, on n'a pas de bâton, on prend Mimo. Mais non! Et on lui cogne la tête non, par terre. Ça, ça fait pareil, hein? Non, ah ouais, non. Il a la tête dure. Il est breton. Non! Ah oh ben c'est réputé, les Bretons, c'est du granit, hein. Il y a des Bretons ce soir? Il y en a tout le temps. Ouais. Eh ben, hé, hey, venez passer le test. Non, 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 non. Si, si, parce qu'une fois, il était absent, on a pris un gars de la région de Cavaillon. Voilà. Les melons. Eh ben, il faisait chploc-chploc. Arrête. Au troisième coup, il s'est éclaté, hein. Ah ouais, on est revenu à Mimo, hein. Non, non. Bon, maintenant, il est un peu rouge et non, gonflé. Arrête, mais... arrête, non, voilà. Alors, au commande des rideaux, c'est Michel. Notre costumière, c'est Sophie. À la poursuite, là-haut, c'est Sinou. C'est un surnom, Sinou. Ouais. Parce que souvent, on dit, tiens, Sinou mettait la poursuite. C'est peut-être ça. Alors, à la lumière, en alternance, c'est Marine et Mazda. Et c'est son vrai prénom, c'est pas un surnom, ah ouais, il s'appelle ouais. vraiment Mazda. Il s'appelle vraiment comme ça, ah oui, c'est ses parents qui ont choisi. Voilà, hein. Son père, tout petit, lui a dit, oui. Toi mon fils, voilà. Tu t'appelleras Mazda, tu feras de la lumière. Voilà. Ça tombait pile. Mais non, ouais. Arrête, voilà, ça, voilà. Alors au son, c'est Vladimir. Pour faire la vaisselle. Ah oui, Vladimir, pour faire la vaisselle. Parce que les parents de Mazda et de Vladimir, ils avaient le même calendrier pour trouver les prénoms. C'est vrai qu'ils auraient pu l'appeler autrement, hein. Bon. Il y en a des prénoms. Oh, dis. Bah, ils auraient pu l'appeler Vladupec. Vladupec. Elle veut faire hôtesse de l'air. Mais non, arrête. Bah, si, hein. Elles font comme ça. Les sorties de secours sont sur les côtés, devant et derrière. Oh non. Alors, celui qui a créé les lumières et qui a choisi les rideaux. Elle le fait bien. C'est Jacques Rouvérolis, assisté d'Isabelle. Et maintenant, veut faire cosmonaute. Ah ouais, s'entraîne dans son salon, elle marche comme ça. Elle met le bocal à poisson sur la tête. Oh, arrête, non. Elle laisse le poisson rouge pour que ça fasse orbite. Bon. Quand ça frappe à la porte, elle fait... J'arrive, bou, 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 bou. Excusez-moi, j'ai une absence. Ah oui, ça lui arrive souvent. Non, c'est pas vrai. Ah bah si, d'ailleurs, c'est elle qu'on embauche pour peindre les bandes blanches. Discontinue. Eh oui, hein. Et comme elle oublie toujours le pot de peinture, bon, le travail n'avance pas, madame. Je vous présente l'Alsacienne sur les paquets de biscuits. Parce que Chorlet, l'Alsacienne, vous le saviez pas? Bah, non. Mais enfin, Chorlet, la seule choucroute ou la saucisse est en dessous. Eh ben, ce soir, il y a plus d'Alsaciennes que de Bretons. On dirait le chien sur la banquette arrière.
Un chien alsacien pure race. Il ne mange que des biscuits et des saucisses. Nervant, hein. Ya, ya, ya. Qui c'est qui veut une crêpe? Pourquoi tu dis ça? Bah les mamans, elles font toutes comme ça, hein. Qui c'est qui veut une crêpe? Surtout que les crêpes de Chorlet, ça vaut le détour, hein. Oui, on dirait une photo de la lune. Mais côté cratère, hein, avec des gros trous comme ça. Alors, le plus difficile, c'est de réussir à mettre la confiture sur la pâte. Après, ne cherchez pas à essayer de la plier, hein. Vous la roulez en boule, vous jouez avec le chien. Va chercher la baballe. Ça va pas te parler de mes crêpes. Surtout qu'il y a des Bretonnes ce soir pour la recette. Hein. Arrête. Voilà. Alors, oui. Il n'y a plus de crêpes. Qui c'est qui veut une gaufre? Non. Arrête, arrête, arrête. Voilà. Non, je voudrais maintenant remercier le directeur de ce théâtre, M. Robert Rossel, ah ouais, qui a tenu absolument à ce que nous venions jouer ici dans son théâtre. Il s'est battu pour ça. Bah ouais, hein. D'ailleurs, s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'il se remet mal de ses blessures. Non, non. Et puis, je voudrais spécialement remercier M. Alain Delon. Ah oui, c'est lui qui paye l'électricité. Ah, c'est vrai. Ah, nous, on laisse allumer à fond tout le temps. On s'en sert pour faire les brochettes et tout. Quand il reçoit la facture, non, il fait une drôle de tête. Hein. Ça va pas. Non, 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 c'est pas pour ça. Parce qu'il a accepté que nous jouions les jours où lui ne joue pas. Ah oui, parce que les jours où il joue, il n'était pas d'accord. Bah, tout d'un coup, Shirley arrive dans son spectacle et dit « Une petite crêpe, monsieur Alain Delon !» Mais non, non. Il serait surpris, quand même. Bon, bon. Pas par Shirley, par les crêpes. Ouh. Non, pas, en fait, ça a l'air de rien, mais nous nous sommes adressés à plusieurs théâtres. Ah ouais. Et mais il jouait qu'ici. Oui. Oui, bah oui. Non, mais il n'y a que lui qui a accepté. Ah. Voilà. Production. Ah oui. Ils sont quatre. Eh oui. Ils travaillent pour un et mangent pour huit. Non, mais non. Dans tout le temps au restaurant. Hein. Bah ouais, c'est là-bas qu'ils font les réunions. Hein. Voilà. Et comme ils peuvent pas parler la bouche pleine, oui, eh ben ils vont de réunion en réunion. Enfin, de restaurant en restaurant. Ils font tout le quartier comme ça. Hein. Ça va pas, non, dire ça. Tu peux me prêter un stylo, pas de problème. Oui. Oh, une fourchette. Non. Oh, un couteau. Un vrai magicien. Oui, non, non. C'est donc Christine Rochard. Assisté de Claire, Sophie Urdequin et Éric de Beaumont. Je vous demande d'applaudir de monde très fort.
encore une fois. Merci beaucoup, merci à tous, bonsoir.